Après plus de 30 ans de carrière, Daniel Gay, artiste peintre italien, présente à Nîmes son exposition peut-être la plus personnelle. C'est l'histoire de morceaux de ma vie, un gros, un grand, que j'ai vécu en Espagne, en France du Sud. C'est une histoire de corrida, un cahier de voyage de corrida et de paysages que j'ai aimé vraiment beaucoup. Depuis ses débuts en 1980 jusqu'à une récente exposition au Musée d'art moderne de New York, Daniel Gay, grand amateur de corrida, n'avait encore jamais peint de taureau. Au travers de ses aquarelles, ce carnet de voyage donne une vision très intime de l'artiste. Je me suis passionné dès que j'avais 7 ans, à peu près. Et ça a continué en Espagne, un peu partout. Et pour moi, c'est la tragédie. C'est la tragédie, hein. C'est pas. Mais il faut l'aimer, la tragédie. Et par rapport à la télé, c'est la dernière chose qui nous reste d'un monde qui est disparu. Une très belle exposition visible à l'hôtel Atria toute la semaine jusqu'à dimanche.